sens, ma première question est sur votre pensée d'être une actrice. Tout d'abord, quand vous avez décidé d'être actrice? Quand? Ah, il y a très longtemps. En fait, je devais, déjà étant petite, j'étais attirée vers le, vers ce jeu, puisque avec mes amis d'enfance, on organisait des jeux, on se déguisait, et c'était lui le metteur en scène, et il nous distribuait des rôles, et il disait toujours re, et on recommençait, on se costumait, voilà, et ça pouvait durer des heures. Et donc vraiment, je pense que j'ai, depuis toute petite, en plus mes grands frères et mes grandes sœurs, ils organisaient des spectacles pour tout le quartier, avec les autres enfants, enfin les autres adolescents, et ils nous faisaient jouer aussi les petits dans leurs pièces. Donc voilà, j'avais quand même eu des expériences avant, mais comme ça, de façon très amateur. Et en fait, dans les années 75-77, il y a un metteur en scène de Paris qui est venu à Blois parce que c'était le moment où on voulait que la culture se décentralise, qu'elle ne soit pas qu'à Paris. Et donc, du coup, il a demandé à des jeunes élèves d'accepter des rôles dans des pièces classiques. Et en fait, sa troupe n'a pas accepté de venir à Blois, c'est la ville où j'habitais. Et donc, il a demandé à ses élèves si on voulait reprendre des rôles, et moi j'ai dit oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Vous avez à quel âge? J'avais 17 ans. Et donc on jouait des classiques, des spectacles de rue, des spectacles pour enfants, des créations qu'il écrivait. Et c'était Nicolas Pesquine et la compagnie s'appelait la Compagnie du Hasard. La Compagnie du Hasard. Du Hasard, oui. Et en fait, je suis restée dans cette compagnie 3 ans. Et puis après, je me suis dit que j'étais curieuse et que j'avais envie d'aller voir à Paris comment ça se passait. Vous avez un sentiment comme si... Vous devez faire, je dois faire ce genre de choses. Vous l'avez appris quelque chose quand vous êtes sur la scène En fait, j'ai eu une petite révélation le jour où j'ai joué devant du public. C'est-à-dire que pour la première fois, j'avais composé un rôle d'une aristocrate. Féministe, parce qu'en fait les hommes, c'est la pièce de Marivaux, La Colonie, où les hommes sont tous morts en mer, et donc il y a 2 bateaux de femmes qui arrivent sur une île, et en fait elles reconstruisent les lois, c'est elles qui font les lois, et en fait cette pièce était très drôle. Au départ elle n'est pas particulièrement drôle, mais j'en avais fait un personnage assez drôle. Et pour la première fois, devant 600 personnes, en fait, les gens ont ri. Et moi, j'avais beaucoup le trac avant de commencer, j'avais très peur. Et en fait, quand ils ont ri, ça m'a complètement libérée. Et ça a été tellement incroyable que le lendemain matin, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Oui. J'avais... Pour passer une période d'apprendre, de jouer aussi... Oui, à Paris. À Paris, avec Antoine Vitez, avec Daniel Mesguich, avec Robert Cordier. Robert Cordier, c'était mon premier professeur. Et donc oui, là, je faisais des stages, de la danse, du trapèze, enfin, je faisais un peu tout ce que... Voilà, je faisais pas mal de choses. Des claquettes. Ah oui, je m'en rappelle bien... Vous dansez, comment ça s'appelle, tap dance. Oui, tap dance, les claquettes. Oui, dans le film de Les Garas. Voilà, oui. Dans Boy Meets Girl. On s'appelle très bien. Alors, le cinéma, à partir de quand vous apparaissez dans le cinéma? Parce que
c'est votre premier métrage que vous avez joué le rôle, c'était quel film? Alors, le premier long métrage, c'est un film, en fait, qu'on n'a pas, qu'on ne voit plus beaucoup maintenant. Qui s'appelle, j'ai un trou là. Bon, enfin, j'avais un petit rôle dans un film, mais on n'a pas, on l'a pas vu. Ah, ça va me revenir, mais là, j'ai un trou. Mais bon, bref. Et après, donc, c'était mon premier grand rôle, c'était avec Léos Carax, Boy Meets Girl. Et après, c'était avec Philippe Garrel. Léos Carax, Boy Meets Girl, c'est un film très important pour vous aussi. Ah oui. Ouais. Parce que, on peut dire, c'était un rôle majeur dans ce film. Parce que avant ce film, vous avez un petit rôle. Oui. Un petit rôle dans le film de Chapu, c'est comment son prénom ? Mm-hmm. Voilà. Mais j'ai essayé de le retrouver, mais il est très difficile parce qu'il n'est pas passé au numérique, donc il est un peu difficile à retrouver. Comment vous avez rencontré Garrel, Philippe Garrel ? Alors, dans une salle de cinéma. Ah ouais. Oui, il était assis parmi les spectateurs. Ah bon ? Oui. Et on présentait le film avec Léos Carax. Et on a parlé à la fin du film. Et puis, voilà. Puis après, il m'a recontacté et il m'a demandé de jouer dans son film. Vous avez lu le scénario ? Ça a existé, le scénario de ce film ? Ou bien... Bah, en fait, il y a eu trois scénarios. Oui, trois scénarios. Et en fait, je ne savais jamais dans quel scénario lequel on jouait. Donc, c'était très déroutant pour moi, parce que je commençais le cinéma. Avec Léos, c'était tout en studio, avec la maquilleuse, avec la costumière. Enfin, c'était très... comment dire, sur un tournage assez classique. Et autant sur le film de Philippe, on arrivait en voiture, il n'y avait pas de maquilleuse, pas d'éclairagiste. On avait l'impression qu'on était tout seul, une bande d'amis à filmer, quoi. Il n'y avait pas de... En fait, il éclairait avec la lumière naturelle ou à la bougie. Mais pas de... Mais il n'avait pas de... Bah, dans le film, non. Non. Et donc voilà, et puis en plus je ne savais pas dans quel scénario j'étais, et en plus il ne me donnait pas souvent de dialogue, donc je ne comprenais pas très bien, j'avais l'impression, souvent je disais ça dans mon cahier, que je tenais un cahier, de, et je disais que j'avais l'impression d'être un émigré sans papier en territoire étranger. C'est-à-dire, ne sachant pas, n'ayant, comme si je n'avais pas le droit d'être là, quoi. Comme si c'était un peu illégitime, parce que je n'avais pas mon texte, parce que je n'avais pas tout ce qu'il fallait pour que je puisse être vraiment active. Alors j'ai été active, mais dans une espèce de résistance à Philippe. Est-ce qu'il a expliqué un peu quand même sur le personnage que vous devez jouer ? Non. Non, jamais. Non. Comment vous pouvez jouer ? Arriver à... C'est pas un jouer, c'est... Vous voulez être vous-même ou bien... Ben, j'étais moi-même, mais j'étais moi-même dans une espèce de... de méfiance, parce que je savais pas ce qu'il allait inventer. Mm-hmm. Des fois, au milieu du plan, je recevais une arme. Mm-hmm. Ou une... Une arme ? Une arme, ou alors... mais il ne me prévenait pas à l'avance. Ou alors une enveloppe de cocaïne, et il croyait que je ne savais pas ce que c'était. Alors, comme j'avais déjà vu ça, je la défaisais en dessous le cadre. Et puis, comme je savais qu'il voulait que j'aie peur, eh ben je me disais, eh ben j'aurais pas peur. Voilà. Et donc, je n'avais pas peur.
Une arme que vous avez dit, on voit un revolver dans le film. Oui. Ouais. C'est son idée, c'est l'idée de Garrel qui voulait faire quoi avec ce revolver pour faire. Je l'ignorais. Je ne savais pas. Non, moi je ne savais pas dans quel scénario j'étais. Je ne comprenais pas l'histoire que je racontais. J'étais. Et d'ailleurs, c'était psychologiquement, enfin, c'était un film difficile. Parce qu'avec Jacques Bonnafé, on s'était dit qu'on avait mis 2-3 mois pour s'en remettre. Tellement on était un peu. Ouais. Après, dès que j'ai vu les premières enfin, j'avais déjà vu des films de Philippe. Et je trouvais ça très beau. Mais j'imaginais pas qu'en fait, il filmait comme un reporter. Pour capturer le moment présent, en fait. J'imaginais pas ça de lui. Après, je trouve que, voilà, que c'est vraiment un peintre de l'image. C'est le peintre du cinéma, pour moi. Dans son épuration, dans le sens où il arrive, il y a un plan immobile, mais on va sentir un petit filet de vie. Et ça, c'est... On se dit, mais c'est assez extraordinaire. Ou alors, il y a un plan, et il va y avoir un nuage qui passe, et ça va faire toute la lumière, et ça va tout changer. C'est vraiment magnifique. Mais on n'était pas tout à fait d'accord après le film. Parce que moi, je lui disais, mais il ne faut plus tourner des films comme ça, il faut des dialogues, il faut... Il n'accepte jamais, comment dire, par exemple, si vous avez donné votre opinion sur quelle scène, quelques scènes, pour faire de quoi, je voulais faire comme ça, vous pouvez dire... Non. Jamais. Jamais. Pas sur ce film. Okay. Sur tous les autres, oui, mais pas sur ce film. Mais j'entends couler la guitare, c'était pas la même. Ben non, il y avait des dialogues. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que je sais qu'on avait eu des discussions après le film, où je lui disais, mais il faut des dialogues, si tu veux toucher plus de monde, si tu continues à faire des films. Parce qu'en fait, dans les années 80, Philippe était encore assez en marge. Oui. Oui. C'est seulement après, quand il a commencé à utiliser des dialogues, qu'il a commencé à devenir plus... Oui. La bête noire. La bête noire. Ça s'appelait La bête noire. Et c'est de Patrick Chaput. Patrick. Voilà. Et après, j'ai fait plein d'autres films. Des petits rôles, des grands rôles. En fait, j'ai jamais fait de différence entre les rôles importants et les petits rôles. Pour moi, il n'y a pas de petits rôles. Mm-hmm. Quand un rôle est beau, ah oui, vous avez raison. Il est beau. Mm. Oui. Elle a passé tant d'heures sur les sonnailles. Et quand même, on entend les dialogues. Oui. Oui, mais les dialogues, c'était par exemple... formidable, merveilleux, non, c'est quoi? Oui, c'est ça. Formidable, merveilleux, formidable. On faisait tout un dialogue. Voilà, c'est... Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'histoire. Non. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai eu un petit peu de recul, au bout de 2 ans, je me suis dit que c'était un très très beau film. Mais... Parce que... Ce qui était incroyable, c'est comment... Il est construit, ce film. Il est construit, en même temps, il est complètement déconstruit. Il se déconstruit en même temps qu'il se construit. Et c'est ça qui est très, très beau, en fait. Et j'ai rencontré Philippe il y a 10 ans, à peu près, dans un café à Paris. Et il m'a dit que c'était son film, le film, un de ses films préférés. Ou le film préféré, peut-être. Oui, parce que pour lui, il avait eu l'impression de dépasser Godard, c'est-à-dire d'avoir appris beaucoup de Godard, mais dans ce film-là, d'avoir été plus loin. Ouais, peut-être. C'est beau, hein? Ouais. Ouais.
Enfin, ça, effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là dans Elle a passé tant d'heures. Donc, il a été content pour ce film. Oui. Mais je suis très curieux parce que quand même, par exemple, il y a quand même, on peut pas dire c'est une histoire, mais quand même il y a un événement dans ce film. Par exemple, le rôle que vous avez joué s'est suscité, c'est-à-dire. Oui. Ouais, parce que je crois qu'en fait, parce que dans les trois scénarios, si je me souviens bien, il y avait un rôle qui était Nico. Oui. Je crois que je devais le jouer sans le savoir. Il a expliqué à vous. Non. Oh. Ah non, il n'explique pas à Philippe. Non. C'est un film qu'il a fait, qu'on peut dire inconsciemment, je sais pas quoi. Ben c'est assez beau hein, la façon dont il a fait, parce que je crois qu'il était à l'hôpital un petit peu avant de faire le film. Je crois qu'il a eu l'appendicite ou quelque chose comme ça. Et quand il est sorti, il nous avait envoyé les trois scénarios. Et quand il est sorti, il les a croisés, il les a... Mais moi, je ne pouvais pas m'y retrouver, quoi. Il n'est pas psychologique, il n'est pas dans la psychologie, ni dans l'histoire... qui se déroule comme un fil qui se déroule. Non. Il est plus dans... Ben, après ce film, il m'a tellement posé des questions sur le reportage, le cinéma de reportage et le cinéma de fiction, que j'ai accepté de faire un film produit par l'armée où je pose des questions à des reporters de guerre. Qui ont fait la guerre, qui ont fait Hiroshima, qui ont fait l'Indochine. Et je leur pose des questions. Et en fait, si j'ai accepté ce film, c'est parce que ça me questionnait énormément. Je voulais savoir, oui, pourquoi on avait envie d'attraper comme ça l'instant présent, pourquoi on devait poser des pièges. Je voulais savoir où commencer le reportage, où s'arrêter la fiction. Et c'est un très beau film qui sort cette année à Paris, en fait. C'est drôle. Et c'est assez troublant parce qu'il y a comme un lien entre le cinéma et la guerre. Ouais. Et pour « J'entends plus la guitare », est-ce que Garrel a proposé d'être... Le personnage et... Oui, il m'a proposé, oui. Ouais. Mm-hmm. Et il y avait le scénario. Oui. Ouais. Et quand même, c'est différent par rapport à... Elle a passé tant de... sur la scène. Ben, un scénario, c'est, pour un acteur, c'est très important. Ouais. On se cache un peu derrière nos dialogues. Mm-hmm. C'est notre travail d'aller vers le dialogue et de le transformer... C'est un peu... même si on ne compose pas beaucoup, même si on reste nous-mêmes, il faut quand même le digérer, le dialogue. C'est pas, il faut quand même s'habituer au dialogue. Et effectivement, là, j'étais contente d'avoir des dialogues. Ah oui. Ouais. Mais il y a quelque chose qui ressemble entre ces deux films. Par exemple, dans le film de J'entends plus la guitare, il y avait la scène où j'étais... En silence, on regarde votre visage, votre respiration pendant longtemps. C'est, oui. C'est un plan très très bon. Oui. Ouais. Et je pense que Garrel a bien capturé de ce que vous avez. Il a bien capturé. Oui. Magique, je trouve. Oui. Parce que c'est scène, c'est vraiment rayonnant, ce que je trouve. Ouais. Mais c'était des scènes de résistance. Ouais. Parce que comme j'étais pas contente que la caméra elle soit déjà là,
alors que j'arrivais sur le tournage, que j'étais pas du tout prête, que je savais pas ce que j'allais jouer, et la caméra, elle m'attendait déjà. Du coup, ben, pour l'embêter, pour le provoquer, ben, je mange une fleur. Mais je le faisais un peu en me disant, ben voilà, ben, je sais pas, je cherchais des façons d'échapper à ce vide par et sans me laisser atteindre. Mais c'est un peu de la résistance, un peu en fait. Ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui font des films à la manière de les livres, comme ça, sans avoir oppression et économie. Bien sûr. Ouais. C'est dommage. Ben oui. On est passé à une autre vitesse. Malheureusement, oui. Et après, j'entends plus la guitare, est-ce que vous avez rencontré Karel pour... Après, on s'est croisés, oui. On s'est revus, parfois. Mais rarement. Mm-hmm. Rarement, parce qu'il est... Après, il part sur d'autres aventures, et voilà. Et ce que j'ai vu, votre filmographie et votre carrière, tout ça... Vous avez fait beaucoup de pièces, ouais. De pièces de théâtre, ouais. Oui, oui. Après 10e, je plus. Oui. Ouais, ouais. Mais je fais beaucoup de films aussi. Oui, oui, bien sûr. On ne peut pas choisir entre les deux. Non. Ouais. Non, non, mais j'ai fait... Je dois avoir presque plus de 70 films. Ah, oui. Oui. Et les pièces, il y en a forcément moins, parce que la pièce, il y a les répétitions, il y a le... Il y a le temps où on la joue, il y a la tournée, donc ça peut prendre 5 ans une pièce. Un film, pour l'acteur, ça prend... Si c'est un rôle principal, ça peut prendre 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Mais rarement plus, quoi. En tant que metteur en scène pour la pièce. En pièce, oui. Qu'est-ce que je mets en scène? En fait, c'est un théâtre engagé. Parce qu'en fait, je considère que le théâtre, c'est une assemblée. Un peu comme au cinéma, sauf que c'est vivant, quoi. On est en train de... Et je trouve que c'est important de traiter notre monde. Et donc, en fait, j'ai fait une pièce... Là, j'étais pas encore metteur en scène, mais j'ai fait une pièce un peu, comme on dit, un peu documentaire. Sur les souvenirs d'une femme juive dans les camps en France. Et ça, c'était pas très connu des Français. Ils connaissent tout ce qui se passe en Allemagne, mais pas tellement ce qui s'est passé en France. Donc ça, c'était une façon aussi d'apprendre. Et la pièce se terminait à Bergen-Belsen. Et en fait, j'ai joué devant des salles d'anciens déportés. Donc du coup, ça m'a donné une autre... Ça a donné une autre dimension au théâtre pour moi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à quel point c'était magnifique aussi de pouvoir être comme un reflet de la vie des gens et de parler, d'en parler aussi, et que ça devienne une histoire commune. Et donc voilà, il y a eu cette pièce qui m'a donc donné envie de faire du théâtre documentaire. Et donc c'est pas facile parce que en France, on n'aime pas du tout l'art politique. Pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce que les politiques, ils font beaucoup de spectacles maintenant, et du coup, le spectacle ne veut pas de politique, je ne sais pas. Mais pourquoi? Parce que c'est... En fait, dans le monde entier, peut-être que... On peut dire séparé, mais en France, avant c'était pas comme ça. Mais... Avant c'était pas comme ça, ça l'est devenu, ça le devient, comme partout. Et donc du coup on veut pas de théâtre politique, et on veut pas réfléchir ensemble au sujet de société. Donc il faut toujours un peu s'y prendre un petit peu autrement. Et en fait j'ai été voir une pièce de Lars Norén, et qui s'appelait « Hommage à Anna Politkovskaya ». Et là, j'ai vécu de la place de spectatrice
ce que c'était que de voir une pièce qui parle de notre monde et de notre, parce que ça parlait de la pauvreté comme de la guerre, comme si c'était un peu la même chose finalement. La guerre ou la pauvreté, finalement, ça se... Et c'était une très très belle pièce, et on est sortis très émus, et je me suis dit que vraiment je voulais faire du théâtre documentaire. Parce que Lars Norén nous faisait découvrir un monde qu'on n'aurait jamais l'occasion de rencontrer, mais il nous le faisait rencontrer au théâtre. Et donc on sortait de là plus humain, plus ouvert, même si personne ne parlait, tellement on était émus. Mais en tout cas, on était, c'était une pièce importante pour moi. Et après, j'ai donc trouvé de Stefano Massini, un Italien. J'ai trouvé sa pièce sur Anna Politkovskaya. Et donc là, j'ai raconté son combat de vie pour la liberté d'expression. Et j'ai trouvé très, très... Plus je suis allée à la rencontre de cette femme, plus je l'aimais. Pour son courage. Parce qu'elle avait un courage incroyable. C'est-à-dire, elle disait à ses enfants, si je ne faisais pas ce que je fais, je ne pourrais pas vous regarder dans les yeux. Et j'ai trouvé ça, ça m'a réveillée cette phrase. Je me suis dit, mais elle a raison. C'est-à-dire, on est... Et en fait, et aussi parce que la liberté d'expression dans les journaux, dans les médias, est quelque chose qui me touche beaucoup. Et que j'avais remarqué que son style n'était pas du tout un style journalistique. C'était un style presque poétique, quand elle écrivait ses articles, beaucoup plus senti, beaucoup plus sensoriel. Voilà, donc voilà, elle m'a émue et je suis partie dans ce projet que j'ai tourné 5 ans. Et ça a été aussi une pièce documentaire importante. Elle a écrit un roman. Oui. Alors un roman, moi j'ai surtout lu des livres, oui, où elle dénonce beaucoup de choses, où elle parle de beaucoup de choses. Mais de roman, je connais pas. Mais donc voilà. Et après j'ai fait une autre pièce où là je suis partie d'un essai de Jean Ziegler pour parler de la non-communication entre les peuples du Nord et les peuples du Sud. Et là, ça m'a pris 3 ans de travail d'adaptation théâtrale. Et voilà, là, c'est une pièce vraiment qui parle de... Elle parle de l'ONU, d'essayer de résoudre des questions mondiales, comme la famine, les guerres, et de ne pas y arriver à cause de cette non-communication entre les peuples du Nord et les peuples du Sud. Et voilà, et tout ce qui est en train de se jouer, enfin voilà, ça c'était un gros gros travail, puisqu'on jouait sur 4 continents, et on était 4 acteurs pour jouer 35 personnages. Mm-hmm. 4 acteurs qui jouent... 35 personnages. Et on se changeait à vue. Mais on pouvait jouer des gens célèbres aussi, comme Mandela, comme... on pouvait jouer des gens célèbres. Théâtre documentaire, comme vous dites, il faut avoir un temps de recherche énorme. Énorme, oui. On apprend beaucoup. Physiquement, c'est un travail. J'adore. J'adore apprendre. Mais oui. Comment vous trouvez les archives et tout ça? Oh, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est accessible. Hein. Ah, oui. Oui. En France, c'est pas facile de montrer ce genre de spectacle, non. Mm-hmm. Non. En tout cas, la pièce, la dernière, elle a pas été bien reçue par les médias. Mm-hmm. Alors qu'ils étaient tous venus parce qu'ils avaient adoré mon travail avant. Mm-hmm. Et... Mm-hmm. Mais bon, c'était un peu une autocritique aussi, un peu, de la France. Et les gens sont pas prêts en France à faire leur propre critique. Ben là, pas leur propre critique, mais la critique de leur nation. Mm-hmm. Ils ne sont pas prêts. En fait, on peut dire, par exemple, Brecht aussi, oui. Ça peut être une pièce documentaire. Bien sûr. Je pense que, ouais. Bien sûr. Votre travail me rappelle un peu
comme un théâtre de bruyère, etc. Au sud, l'Amérique sud, il y avait une période. On appelle, je ne sais pas, j'ai beaucoup oublié ce mot, et théâtre du peuple. Oui. Voilà, oui. Mais oui, c'est, ben, en Allemagne, il y a eu des grands mouvements comme ça, parce que lui-même, Brecht, il s'était inspiré de Ernst Toller, il s'était inspiré de d'autres gens, et ces pièces-là, elles sont, c'est assez beau à voir, ouais. C'est toute une époque très intéressante en Allemagne. Vous avez écrit une pièce récemment. Oui, là j'ai écrit une pièce récemment. Qui parle de la rencontre de deux femmes dans la ville. Ça parle des territoires aussi. Ça parle de comment on occupe un territoire. Donc c'est la ville, le territoire de la ville, et c'est une femme occidentale qui est un petit peu dans son monde, c'est beaucoup dans ses pensées intérieures, et qui rencontre une femme rome. Et c'est la rencontre de ces deux femmes. Qui va beaucoup, où la femme occidentale va beaucoup apprendre sur elle-même et sur son monde, à travers la femme rome. C'est la différence qui va faire que... Et puis aussi, elle va lui révéler aussi, comment dire, qu'en fait, il y a eu un génocide rome, comme il y a eu un génocide juif pendant la guerre. Sauf que le génocide de Rome, il a mis 39 ans pour qu'on admette, pour que l'Allemagne ou les pays alliés même, ils admettent que ce soit un génocide à caractère racial. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce que je me suis dit, mais on n'a pas fait le travail sur cette dernière guerre, puisqu'on est capable de faire encore des ségrégations, même entre les victimes. Et là, je me suis dit, mais on n'a pas fait de réel travail. C'est pour ça que ça m'a donné envie d'écrire cette pièce. Donc, votre travail comme, en tant qu'actrice, en tant que metteur en scène, tout ça, c'est relié à une action, comment dire, action de réagir. Réagir. L'injustice qui se passe dans le monde, tout ça. Ben, je pense que oui, on est tous touchés par ce qui se passe dans le monde de toute façon. Donc c'est pas forcément réagir, parce qu'on est très impuissant à réagir. Mais c'est au moins déjà se poser des questions, les bonnes, et être lucide. Et puis c'est aussi travailler aussi à une nouvelle forme de théâtre. Toujours chercher. Ne pas s'arrêter à des choses trop, comment dire, formelles ou concepts. Enfin, formelles au théâtre, ça peut être... on peut être dans une esthétique très belle, mais bon, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de sens, ou il n'y a pas beaucoup de pas d'émotion, mais de sens. C'est-à-dire que c'est important aujourd'hui que le spectateur, il puisse aussi réfléchir. Il puisse aussi faire son montage. Il puisse aussi qu'on sorte de l'identification. Ça, c'est important. Parce que l'identification, on va au théâtre, on écoute un beau texte, on s'identifie, puis on sort, et puis il ne s'est rien passé, en fait. Ben, c'est pareil au cinéma, c'est pareil au théâtre, c'est pareil dans l'art, c'est pareil... C'est arriver à faire réfléchir le spectateur. J'ai trouvé un clip que vous avez joué sur une scène de pièce. J'ai regardé YouTube. Ah bon? Un petit peu comme... J'ai pensé que c'est très différent par rapport à un film que vous avez joué. Ah bah oui. Oui, quand vous êtes sur la scène... Ben oui. Très, très différent. C'est très, comment dire... Mais j'ai changé aussi. Ouais. On change dans la vie. Ouais. On n'est pas toujours pareil. Parce que
quand vous voyez dans les images, dans les films de Philippe, par exemple, j'étais jeune, j'avais beaucoup d'émotions, j'avais pas forcément les mots pour les exprimer. J'étais une boule d'émotions, en fait. Et ça se voit dans le film, quoi. On sent que je... Et en vieillissant, ça s'est un peu renversé. Maintenant, je me sens plus terrestre. Et bah, d'ailleurs, c'est ce que dit Philippe dans J'entends plus la guitare. Il sent que je commence à devenir plus terrestre. Mais j'ai toujours eu cette curiosité, quand même, même quand j'étais jeune, pour ce qui m'entoure, pour comprendre le monde qui m'entoure, arriver à sentir, à comprendre, à... Oui, toujours. Cette curiosité, cette... C'est vrai que c'est très différent. Est-ce que vous avez un moment d'avoir l'ennui pour être un personnage dans le film ou dans la pièce, je ne sais pas quoi, pas curiosité, parce que quand on travaille dans une profession pendant longtemps, il y a des moments où on peut avoir l'ennui, on peut avoir... On a l'ennui. Moi, tous les films que j'ai fait dans les années 80, je ne me suis pas ennuyée. Mm-hmm. Parce que je ne choisissais pas les rôles, les films pour les rôles, mais pour l'aventure globale. Et donc, c'est, quand c'est comme ça, on a juste envie de... C'est une aventure et de participer, d'être actif, et voilà. Avec Philippe, c'est différent, puisqu'on ne peut pas trop partager son aventure. C'est lui qui tient les rênes de ce qu'il veut... Où ce qu'il veut aller, voilà. Mais avec les autres metteurs en scène, oui. Quand j'ai fait Un monde sans pitié, quand j'ai fait Toto le héros de Jacques van Dormael, quand j'ai fait beaucoup d'autres films, ça j'aimais bien parce que c'était des films très singuliers avec des univers tous différents. Et oui, là on a envie de pas défendre un rôle, on a envie de défendre tout le film, quoi. Je crois que ça ne peut pas marcher, d'ailleurs, les films où chacun défend son rôle. Mm-hmm. Pour moi, ce n'est pas un film. Comme il y a des acteurs qui ne voient que leur rôle, qui ne pensent pas, comment dire... Oui, mais ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas faire des beaux films. Voilà. Ouais. Non, je ne crois pas. Ouais. On a besoin d'autre chose. Oui. C'est beaucoup la télévision qui a cassé un peu les univers comme ça. Et Philippe a de la chance. Parce que lui, il a réussi à... C'est rare. Hein. C'est rare parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui n'ont pas pu continuer leur carrière. Éric Rochant. Ma génération, en tout cas, on a été... On ne voulait pas de nous. Hein. Mmh. On a été une génération qui a peiné par rapport à ça. Mmh. Ah oui, on ne voulait pas de nous. On était sur les listes. Hein. Mais il n'y a pas que nous, hein. Y a eu beaucoup d'autres gens, même des gens plus âgés, beaucoup de femmes cinéastes qui ont été... Il y a des gens quand même exceptionnels, mais ce n'est pas beaucoup. Ouais. Agnès Varda, elle continue quand même. Oui, elle a continué, oui. Chantal, elle n'est plus là. Chantal Ackerman. Oui. Ils avaient déjà, c'est une autre génération, ils avaient déjà fait leurs preuves. Alors que moi j'avais tourné avec Eric, Léos, il avait fait deux, dans les années 90, il avait fait deux films, je crois. Jaco, il avait fait un film. Jaco van Dormael, il avait fait un film. Éric Rochant, un film. Donc ça les a un peu bloqués pour après continuer. Mais en même temps, ils avaient fait des tellement gros succès
de cinéma d'auteur, succès de cinéma d'auteur, que du coup, voilà. Je crois qu'il y a un équilibre aussi là-dedans. Oui. Alors, quel est votre espoir? Quel est votre espoir à cet instant À cet instant que vous êtes en vie. Que vous êtes en vie. Oui. Que vous avez un espoir ou bien... Ben, c'est de continuer à... C'est de pouvoir encore exprimer mon art, de pouvoir faire des films de cinéma que j'aime, dans lesquels je retrouve un vrai plaisir de cinéma. Mais c'est surtout, oui, au théâtre, d'arriver à ce que la liberté d'expression se détende et qu'il y ait davantage de... qu'on puisse aborder des questions qui sont toutes les questions, en fait. On n'a pas à dire ça c'est de l'art, ça c'en est pas. Moi j'aime beaucoup la diversité, je suis très bon public donc oui, j'ai envie de continuer à travailler, à faire ce que j'aime, à travailler, parce que là, c'est beau. Là, on compte pas les heures quand on aime. Mais arriver à trouver, quand même, j'aimerais bien que pouvoir le partager dans des institutions, dans des, voilà, oui. Et pour le cinéma, ben oui, j'aimerais bien qu'on revienne un peu à des univers comme ça. En fait, j'aime pas dire cinéma d'auteur parce que, à un moment en France, dans les années 90, le cinéma d'auteur était considéré comme cinéma ennuyeux, difficile. Intellectuel, ouais. Difficile. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, non, on parle pas du même mot. Moi, c'est pas des films d'auteur. Tout le monde est auteur de ce qu'il fait. Mais non, c'est des films qui défendent un univers très singulier qui n'est pas l'univers, comment dire, qu'on voit anecdotique ou qu'on voit qui se déploie de plus en plus. Contaminé par les télés, par le... voilà. Est-ce que vous n'avez pas envie de réaliser un film vous-même? J'en ai fait un tout petit, ah, ouais. De 20 minutes, sur la danse de la tarentelle. Ah, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, je savais pas que... En Europe, il y avait eu des danses de transe. Mm-hmm. J'ignorais. Ouais. Et c'est beau parce que de l'ignorance... On a envie de savoir. Ouais. Voilà. Ouais. L'ignorance appelle à la curiosité. Oui. Voilà, c'est ça qui est bien. Mmh. Et donc, voilà, j'ai fait un tout petit film sur la tarentelle. Tarentelle. Tarentelle, parce que c'est la tarentule, c'est une araignée. Araignée. Les araignées avec les pattes là, qui piquaient les hommes et les femmes. Ouais. Enfin, elles disaient qu'elles avaient été piquées. Et après, ils dansaient pendant 3 nuits. Et il y avait la musique. Oui, où ça pouvait durer même 4 nuits. Et qui dansaient au son de la musique de la tarentelle. Et il y avait des musiciens qui accompagnaient la danse jusqu'à ce que le malade revienne. C'était comme une thérapie, en fait, par le corps. C'est magnifique. Et en fait, dans les années 60, c'est l'Église qui a un peu étouffé le rituel, parce que c'était en fait un rituel païen. Païen, ça remonte. Ah ouais. Païen, c'est quand, avant que l'Église chrétienne arrive, et qu'il y avait plusieurs dieux, plusieurs croyances. Ouais. Voilà. Donc c'est un rituel qui remonte très très loin. Et c'est un rituel très artistique. Ah ouais. Mais oui, parce qu'il y a les couleurs, il y a la danse, donc c'est très, et c'est très et c'était très populaire aussi, donc ça rejoint, ouais, ça m'a passionnée, ouais.
Voilà. Oui, on n'a pas. Oui. On ne peut pas tout. Tout. La dernière. Et quand même, j'espère que vous allez dire un mot pour les spectateurs coréens, même s'il n'y a pas ici. Oui. Ah ben je suis ravie d'être à Séoul. Je suis ravie d'être à Séoul, je suis ravie de revenir. Je ne sais pas s'il y aura dans la salle des spectateurs qui étaient là la première fois pour Un monde sans pitié. Surtout, je suis très, très impressionnée que le musée et que de tout ce travail qui a été mis en œuvre pour, comment dire, bah oui, pour quelque part, pour sauvegarder l'art, le septième art, pour sauvegarder le travail de Philippe Garrel. Je trouve ça, oui, ça me touche beaucoup, parce que j'adore le cinéma, et que je trouve que c'est effectivement un très bel art et qu'il faut le... Comment dire? Qui a apporté énormément et qui aussi permet de s'humaniser à travers des regards différents, à travers permet de réfléchir, permet de... Et l'œuvre de Philippe, en tout cas, que je considère comme le peintre du cinéma, c'est vrai que je la trouve poétique et incontournable. Enfin, voilà, c'est important qu'elle soit numérisée, que des jeunes puissent la voir. Que, voilà, donc je suis très honorée d'être à Séoul. J'ai une magnifique guide qui me fait connaître... voilà, Sarah qui me fait connaître toute la ville que j'apprécie beaucoup. Et ben voilà, j'espère que vous allez apprécier cette belle rétrospective. Merci.